Salut à toutes et à tous, c'est InkyCraft. On se retrouve aujourd'hui, mes chers amis, pour sans doute le dernier épisode de We Beat Boy. La dernière fois, on s'était laissé ici sur une défaite, mais Casselan Chen aujourd'hui, on va réussir le niveau et on va finir le jeu, bien évidemment, en bonne et due forme, mes chers amis. L'épisode d'aujourd'hui sera sans doute un peu plus long, bien évidemment, pour que vous ayez droit à la fin du jeu, comme il se doit être. Donc voilà, aujourd'hui, mes chers amis, on est parti. On va essayer de voir un petit peu comment on peut régler le compte de ces vilains oiseaux, puisqu'apparemment, comme je vous le rappelle, on arrive dans le monde des jeux vidéo et apparemment ce qui nous a attendu dans le monde des jeux vidéo, bah évidemment c'est des oiseaux. Oui, c'est sûr que le rapport entre des oiseaux et le jeu vidéo est là, n'est-ce pas? Donc de ce côté-là, il n'a pas de problème avec ça. Donc voilà, on est parti pour un bon petit 25 minutes, comme d'habitude. Ça partira un peu plus loin si je ne termine pas le jeu, et de toute façon ça ne change pas de d'habitude. Voilà, on ne fait pas du fail pour le moment, mes chers amis, c'est toujours très bon à savoir. Bon bref, là j'ai failli déjà fail dès le départ, c'est très très bien comme ça, avec ces flammes tourbillonnantes, n'est-ce pas? Oula, on va essayer de passer ce passage, mes chers amis. Voilà, lui je le snob complètement, avec 2-3 petits arrêts images, je ne sais pas pourquoi le PC qui... Ah, oh, wow, ok d'accord. Et alors, ça nous avantage à quoi d'être ici? Ok d'accord. D'accord. Ah, ok d'accord, bon y a pas de souci. Oh, c'est plutôt bien ça. Oh, je vois qu'on est charitable, on se calme. Voilà, va dans les flammes, mon grand, et... fous-nous la paix, littéralement. Eh bien, bien, bien. Ouais, du coup, je fais ça. Oh non, quel abruti! Vous êtes sérieux? Moi j'essaie de toucher la boule, et qu'est-ce que je fais? Ben non, ben je suis sur le truc, et par un réflexe complètement stupide, naturel, ben voilà, je m'en vais dans la lave. Très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Bon, on recommence, ce niveau n'est pas compliqué, c'est juste ce dernier passage qui est ridiculement troll, et complètement stupide, je tiens à le dire. Voilà, c'est-à-dire le passage où il y a ces vieilles flammes. Et cette vieille lave, bien évidemment, puisque déjà la semaine passée, nous avons réussi à passer tout le niveau sans aucun souci, comme jusqu'à maintenant. Et bien évidemment, c'est ce passage-là qui pose problème. Bon, alors j'aimerais bien le réussir quand même un temps soit peu. Donc voilà, n'est-ce pas? Bon, on va encore réessayer, mes chers amis, de toute façon, on n'aura pas fini le jeu tant qu'on n'aura pas fait ce passage. Voilà, hop, du coup, laisse-moi passer. Je vais pas mourir ici bêtement quand même, sur cette histoire d'oiseau, n'est-ce pas? Bah oui, mais bon, les flammes, elles peuvent se désin... Ok, d'accord, bon, pas de souci avec ça, y a aucun problème avec ça. Moi, je peux attendre 1000 ans comme ça que la cadence entre les deux se synchronise pour que je puisse passer. Bien évidemment, quand le jeu te troll, mais c'est limite, on devrait mettre une tête de troll de WoW, quoi. Une troll face, quoi. Le jeu, faut mettre une troll face. Et c'est marrant. Ah, ça fait rire. Voilà, bien mes chers amis, je vous reprends ici, j'ai gardé mon bouclier en sautant. Bon, je pense que je vous ai plutôt fait un accéléré qu'une coupure finalement, qu'une ellipse, parce que c'était peut-être pas la peine d'avoir à faire... Non mais t'es sérieux, mais c'est quoi ces trolls? J'avais encore du coup la possibilité d'avoir un bouclier pour arriver là plus loin. Et non, qu'est-ce que je me tape? Je me tape un vieux serpent qui s'arrête devant moi. Il est débile ou il le fait exprès, lui? Bon, voilà. Du coup, c'est bon. Ah là, on va arrêter un petit peu. Et là, c'est pas le plus simple. Voilà. On y est. Là, il y a quoi? Il y a un mur invisible, c'est ça? Voilà. Youh! On est enfin arrivé, mes chers amis, après je ne sais pas combien d'essais. Je veux bien comprendre que ça soit l'avant-dernier niveau si on ne compte pas le boss, mais au bout d'un moment, littéralement, vous avez le développeur qui vous regarde et qui vous fait des tas de doigts d'honneur en vous disant voilà, bon, je suis un peu violent, mais voilà. C'est beau, mais à un moment, faut arrêter les blagues. J'ai envie de dire, les blagues les plus courtes sont les meilleures, donc on stoppe. Voilà, devant ces étendards dégueulasses de Templiers, affreux, nous arrivons devant le dernier boss, mes chers amis, qui est complètement un squelette, voilà. Et avec ça, nous arrivons à la fin du jeu. Bien, la torture prend fin. Ou du coup, lui, je ne sais pas ce qui se passe, d'accord. Ok, d'accord. Ok, il y a de la lave qui monte, c'est super sympa. Ça sent le boss bien... bien chien, comme ça. Il faut faire quoi? Faut aller... ouais, faut aller vers lui. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Jusque là, y a pas de souci. Non, mais c'est quoi ça? La hitbox, en bon sang. Il m'a pas touché officiellement, je m'en fous. Je veux rien savoir, il m'a pas touché. Officieusement, il m'a touché, mais officiellement, il m'a pas touché. Voilà. Bon. Ok, d'accord. Bon, on retente, hein, voilà, n'est-ce pas Voilà, monsieur s'envole, hein, il tourbilole, n'est-ce pas? Oui. Ah, j'ai déjà les plateformes qui montent, très bien. Alors, jusque-là, on est d'accord. Voilà. Et ici, je suppose qu'il s'envole. Voilà. Nous devons attendre, bien évidemment, qu'il arrête... de sauter. Mais c'est pas vrai. C'est quoi ça? Ah, c'est stupide, mais on ne peut pas mieux, quoi. Bon, je rage inutilement. Mais c'est vrai que plusieurs semaines sur ce jeu, ça commence un petit peu à peser. Bien évidemment, avec ce jeu, je sais pas pourquoi de temps en temps il ralentit, quoi. C'est chelou, on va quand même pas dire qu'un jeu pareil, ça puise des ressources à mort, quoi. Je sais que j'ai pas un très bon PC, mes chers amis, mais pas à ce point-là. J'ai quand même des jeux qui sont beaucoup plus lourds, qui ne frisent pas comme ça de temps en temps, déjà. Alors, je vais trouver plein de défauts au jeu, c'est vrai que c'est marrant. Mais, lololol, quoi. D'accord. D'accord. Bon. Sinon, bien évidemment... On va réussir, hein, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, au bout d'un moment, c'est... Genre le boss, j'ai l'impression qu'il faut faire 5 manipulations pour lui arracher un point de vie. C'est le genre de jeu... Vous sentez que les développeurs ont de la rage contre les gens. C'est... des misanthropes, ouais. Ce sont des gens, ils ont envie de propager de la haine chez les joueurs. Bref, voilà. C'est comme ça. Donc, il faut s'y faire. Voilà, là, les flammes, c'est tout juste. Hein. Je tiens à dire, c'est tout juste. Hein. Voilà, c'est tout juste. Hein. C'est tout juste. Hein. Voilà, très bien. Et là, je me prends la dernière flamme, hein, pourquoi pas. Voilà, et là, on va pas trop se rapprocher, mes chers amis, parce que c'est tellement bien codé, la hitbox, que je serai encore capable de me prendre... Et d'accord. Voilà, avec la musique, il n'y a plus rien à voir après, hein. Voilà, on repasse enfin à la deuxième fois, mes chers amis. J'ai pas envie de vous dire la deuxième phase, parce qu'il n'y a même pas de phase. Du moins, j'espère, parce que je ne m'en rappelle plus s'il y a une phase. Regardez-moi ça, ces flammes qui se suivent, mais d'une façon tellement... Et je fais quoi? Je vais avoir à l'usure, hein, mes chers amis. Je crois que je vais vous faire une coupure. Hein. Et je vous reprendrai à la fin parce que c'est complètement ridicule. Franchement, c'est ridicule. C'est un jeu ridicule. Le jeu est bien. Mais là, à un moment, quand on arrive à ce stade-là, c'est ridicule. Bon. Je veux bien admettre aussi que c'est moi qui ne joue peut-être pas correctement, mais... Voilà. Il y a un moment, j'ai envie de dire, c'est... Ça se suit pas les flammes, ça se suit pas, regardez-moi ça. J'ai même pas l'impression que c'est les mêmes à chaque fois, en fait. Hein. Je suis sûr que je prends le pattern qu'il avait juste avant et je reprends celui-ci. Je pense qu'il a même pas le même pattern que avant que je meure. Ça fait un drôle de bruit, là. Hein. C'est pris plus de dégâts que tantôt, ou quoi? Bon, très bien. Alors, ça va, là? Tiens, ok, d'accord, bon. On passe au deuxième coup. On va essayer de lui asséner le deuxième coup quand même, mes chers amis. On va se concentrer un minimum. Hein. Regardez-moi ça, c'est juste à mort. Hein. Voilà, d'accord, ok, d'accord. Ok, d'accord, voilà, bien. Bien. Bien, bien, bien. Tiens. Du coup, c'est la dernière fois. Non. Oh, j'ai eu peur. Je pensais qu'il sautait maintenant en même temps qu'on était en train de s'envoler. J'ai dit, what? Il y a un moment, n'exagère pas trop, hein, Billy. Hein. Aïe, 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 aïe. Mes chers amis, c'est le dernier coup. Ah, enfin. Oh, libération, délectation. Et je ne dirai pas le reste qui rime avec Sion. Je prends ta plume allègrement. Ce coup-ci, on ne peut plus rien faire pour toi, mon vieux. T'es un vieux cadavre. Oh, cette libération, mes chers amis. C'est parti. Game Saved. Voilà. Du coup, on a un bouclier. Je vois pas trop pourquoi. Oui, parce que je vous expliquerai après. Et voilà. Et c'est parti. Hein, on est censé partir du monde des jeux vidéo. Et voilà. Oh, bonjour, la fée. T'étais là au début, tu savais pas me ramener avant. J'aurais pas vécu ce cauchemar. Bonjour. Je peux pas bouger, au fait. Hein. On doit attendre. Ah. Tu as été brave. Et tu t'es retrouvé perdu, quelquefois perdu. Mais perdu, tu ne l'es plus. Bon, je traduis littéralement, hein, mes chers amis, je fais avec. Tu as trouvé les choses secrètes. Par patience, imagination, création. Pas créativité, ingéniosité, passion et détermination. Oui, il m'en a fallu beaucoup de la détermination. Hein. C'est voilà. Les 5 éléments de la Genèse. Oui, mais bien sûr, dans ce jeu. Tu n'as pas décidé de stopper tes rêves. Lève-toi. Mais lève-toi et n'oublie pas un truc comme ça, bref. Marcher sur terre, endormi, etc. J'ai pas le temps de lire. Avant que tu ne le perdes au fond de toi. Le réveil, et tu dois retourner à ta maison. Retourne à ta maison, et bon, n'oublie pas les conseils. Avec le pouvoir et que tu as collecté. Bien. Collecte-les tous et tu peux utiliser la map monde. Te souviens-tu de ce rêve? Souviens-toi-en. Ok, d'accord. Bon, on a fini le jeu, mes chers amis. C'est ce que je vous disais. Maintenant, on peut retourner dans le jeu pour collecter le jeu à 100%. Voilà. Bien. Donc, on en a 15 sur 50. Et heureusement que je ne fais pas le jeu à 100%, mes chers amis, car ça aurait été un véritable enfer. Bien, voilà, donc le jeu se termine comme ça, concrètement, donc voilà, on peut sélectionner les mondes, mes chers amis, afin de collecter toutes les pièces. Donc peut-être que le jeu ne prend réellement fin qu'une fois qu'on a collecté toutes les pièces, et bien évidemment, moi je ne compte pas collecter toutes les pièces, donc voilà. Nous en avons terminé avec ce jeu. Ce jeu est bien, ce jeu est marrant, mais arrivé à un certain moment où ça troll comme ça, je peux vous dire qu'on en perd patience. Voilà, bon... Ce jeu est terminé, mes chers amis, donc on en a fini avec We Beat Boy, cet excellent let's play, je vous dirais, où ce dernier épisode aurait été l'épisode de l'arrache finale, bien. Donc du coup, comme je vous avais dit, mes chers amis, donc ça sera pas aujourd'hui, mais demain, comme je vous avais dit, c'était soit aujourd'hui ou demain, je vous mettrai dans le courant de la journée, donc ça sera demain, une screenshot du prochain jeu que je ferai à la place de We Beat Boy, donc voilà, ça sera un jeu Pokémon, c'est un jeu amateur indé, alors je vous explique un peu ce que c'est, il a été arrêté. Je compte quand même vous le montrer parce que c'est un jeu qui demande à être pris en relais. Donc en fait les développeurs du jeu ont dû arrêter leur jeu à cause du DMA ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement que Nintendo a fait. Nintendo a fait littéralement le chasseur de tête pendant un moment et a supprimé tous les jeux amateurs qui correspondaient à Nintendo, enfin, aux licences Nintendo, principalement Pokémon. C'était ce qui s'était passé avec Pokémon Uranium. Le jeu avait tellement fait un tabac que Nintendo avait décidé voilà, de supprimer les jeux, donc là-dessus je n'en dirai pas plus, je ne vous fais que relater les événements qui ont été dits un petit peu partout, donc sans porter de jugement personnel, simplement pour vous expliquer ce pourquoi le jeu a disparu. Mais les développeurs ont décidé de laisser leur code source sur le GitHub. Et le GitHub, je sais pas comment on le prononce, moi j'ai toujours dit GitHub, donc peu importe, le GitHub, bref, vous le prononcerez comme vous voulez, mes chers amis, vous voyez de quoi je parle, c'est là où les développeurs laissent leur logiciel libre, voilà. Et donc du coup finalement ils ont laissé leur jeu, donc c'est-à-dire que les gens qui sont motivés pourront reprendre ce jeu Pokémon et le recontinuer. Prendre le relais. Alors il faudra que je regarde parce que peut-être qu'entre-temps, parce que je n'ai plus suivi vu que j'ai eu beaucoup d'autres choses entre-temps, donc moi je connais le jeu, je l'ai fait un petit peu, c'est un excellent jeu Pokémon en 3D, mais je vous le montrerai de toute façon, vous l'aurez la semaine prochaine, vous aurez une screenshot demain sur mon Twitter mes chers amis. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter bien évidemment, parce que je vais pas mettre une photo sur YouTube bien évidemment, ça serait un peu débile, donc si vous voulez savoir ce que c'est, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pardon. Au pire vous le saurez la semaine prochaine, et donc du coup il faudra que je regarde si ce jeu n'a pas été repris déjà quand même par peut-être d'autres développeurs, indépendants bien évidemment, des amateurs, dans le bon sens du terme, donc je regarderai ça mes chers amis. S'il n'a pas été repris, je peux essayer de jouer le rôle de publicité positif pour ces gens-là, en ayant leur projet qui soit repris, peut-être par quelqu'un qui serait intéressant, on ne sait jamais, peu importe, c'est comme ça que fonctionne le web, après tout mes chers amis, on fait de la pub un petit peu pour tout le monde, surtout que là c'est pas réellement une pub, c'est plutôt juste un jeu qui me plaît. Et vu que eux ils parlent qu'ils veulent que quelqu'un reprenne le projet, si en ayant ma vidéo, qui est une vidéo sur un jeu qui me plaît, donnerait l'idée peut-être à quelqu'un d'en parler à d'autres et de dire regarde ce jeu là, on pourrait le reprendre, bref, peu importe, c'est le bouche à oreille sur le web, et qu'à ce moment là on ne sait jamais, quelqu'un pourrait se dire ouais le jeu m'emballe, ou etc, on ne sait jamais, on peut peut-être apporter la main à la pâte, surtout que c'est un jeu indé, c'est un jeu amateur, il n'est même pas payant mes chers amis. Donc il n'a rien à en tirer là-dedans, à part de la créativité, du positif, et ce qu'on pourrait normalement soi-disant considérer de la liberté. Bref. Donc ce jeu Pokémon est très très bien, et je comptais vous le faire en let's play. Donc il n'aura pas vraiment de fin sur ce jeu, puisqu'il n'est pas terminé. On verra jusqu'où on peut aller, puisque je ne l'ai pas terminé non plus. De mon côté, comme ça, en mode hors caméra, puisque j'ai testé le jeu avant, et c'est comme ça que je me suis dit qu'il était vachement bien. Donc on verra jusqu'où on peut aller. Et donc voilà, il y a peut-être quand même la ligue qui est là. Je sais que c'était un jeu qui était possible en réseau. Donc le launcher ressemble très fort à celui de l'ancien Minecraft, pas le récent qu'on a eu maintenant. Et on pouvait avoir un serveur, donc on pouvait jouer en multi aussi, en local. Ils avaient un serveur à eux aussi pendant un moment, donc on pouvait se joindre à eux. Un truc comme ça. Du coup c'était pas mal, mais je vous montrerai tout ça mes chers amis. Bon les serveurs c'est plus accessible vu que leur serveur est mort, vu qu'ils ont abandonné le projet mais qu'ils le relancent pour quelqu'un d'autre, donc voilà, bref. Un peu de blabla qui peut-être a l'air mélangé, mais bon vous comprendrez tout ça, peut-être que vous l'avez compris mes chers amis, je sais je suis un peu compliqué de temps en temps, bref. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'épisode de We Beat Boy, et donc la semaine prochaine on se retrouve donc pour le premier épisode de ce let's play, entre guillemets... test, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Bref, que j'ai quand même apprécié de ce Pokémon en 3D. D'ailleurs, le jeu s'appelle tout simplement Pokémon 3D, il n'a pas réellement eu de titre bien propre à lui. Si vous voulez savoir dans quelle région ça se passe dans la région de Johto. Je ne sais même pas s'il y a d'autres régions débloquées. Ils voulaient débloquer d'autres régions plus tard, il me semble. Donc bon, voilà, bref. Voilà ce qu'il en est pour tout ça, mes chers amis. J'espère que je vous ai donné assez d'informations et pas trop confuses. Donc voilà. Et on se retrouve ce samedi, mes chers amis, donc pour cet épisode, bien évidemment, de Tombi. On a l'épisode 12, je pense, oui, de Tombi. Et après la jungle, bien sûr, après la jungle des Mazakari, nous nous retrouvons, bien évidemment, de nouveau dans la flotte. Voilà. Parce que nous devons trouver le sage de 10 000 ans. Et voilà. Ce lundi, je ne sais pas si je vous ferai un hors-série, je n'ai pas d'idée pour le moment sur un hors-série, donc voilà. Et on se retrouve donc du coup la semaine prochaine aussi, mercredi, ben, pour le premier épisode de ce Pokémon 3D, mes chers amis. Donc voilà, merci à vous de regarder mes vidéos, je sais qu'aujourd'hui je n'ai peut-être pas été forcément excellent sur cette vidéo de We Beat Boy, hein, l'épisode de la rage, mes chers amis. Peut-être que certains ça leur a fait rire de me voir rager, mais c'est toujours autant de plaisir de faire des vidéos pour vous. Hein, merci à tous ceux qui s'abonnent en tout cas, et même à ceux qui ne s'abonnent pas mais qui regardent mes vidéos, je vous remercie énormément pour l'attention que vous prenez sur les vidéos. Donc voilà, dans tous les cas mes chers amis, on se retrouve au prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.